Re, chers amis, alors apparemment il n'y a plus trop de bruit dehors. Hop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais. Hop. Et voilà. Magie. Hop, ok. Donc tout est rechargé, tout est prêt, tout est fonctionnel, on va dire. Non, je me débranche d'abord. Hop, parfait. Je vais me placer devant. Alors je vais replacer ça du coup ici. Je vais me placer devant. Je vais mettre ceci ici. Ok. Et je pars dans la bonne direction cette fois-ci. Est-ce que j'arrive à le tracter? J'arrive à le tracter. Tant bien que mal. Ok. Et jusque-là, c'est efficace, hein, je vais pas me plaindre. Attention au trou, Marcus. Hop. Ah. Ok. Alors, est-ce que j'ai deux barres de carburant en plus? Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai deux barres électriques de plus? Va vraiment falloir que je refasse ce truc-là aussi. On va profiter d'être en... Alors ouais, tiens, c'est ça que je peux faire simplement, regardez. Si je pars normalement de ça. Hop. Crac. Un peu trop loin. Normalement, j'aurais pu repasser avec le camion. Quoique. Voilà. Là, j'aurais pu repasser avec le camion. On y va. Hop. Soyons fous. C'est encore un peu limite par endroit, hein. Ok. Pause. On va emmener plein de choses maintenant. Crac. Allez, viens. Viens, je t'emmène. Ok. Ah, par contre, du coup, j'ai pas vidé ce que j'avais dans mon inventaire. Honte sur moi. Et donc, regardez, ça a bien pris sur les deux dernières batteries, mais pas sur la nouvelle. Cool. Hop. Voilà. Alors. Par là. Ok. Ce qui veut donc dire, hein, bien entendu, que je vais tout ramener à la maison, hein. Si je peux avoir des objets genre de l'aluminium gratuitement, personnellement, je vais tenter le coup, hein. Hop. Voilà. Hop. Et on repart. Crac. C'est super efficace. Je veux pas dire, hein, mais... Ce jeu est génial, hein. Faut le reconnaître au bout d'un moment. Bon, la route est pas parfaite. Mais elle fonctionne. Et ça roule, hein. Bon, c'était pas trop casse-gueule. C'est par là que je suis passé. Je me disais aussi, ça me semblait un peu short. Non, là c'est pas bon. Hop, voilà.
qui devrait être mieux. Hop, parfait. Je passe sans problème. Et je me gare sans problème non plus. Crac, je pose le câble et j'ai 4 artefacts, 4 bouboules à placer à la recherche. Dommage que j'ai pas suffisamment d'énergie dans la journée. C'est pas grave. Recherche. Du coup. Oh, du charbon. Finalement, on en a trouvé. Cool. Je voulais voir aussi au passage tout ce que j'ai dans l'inventaire qui est prêt à... J'aimerais voir si je peux tout fondre avec une seule recharge. Voilà, d'accord. Une seule recharge suffit en fait à tout faire. Ok. Ok, ok. Bon, c'est pas con. C'est pas con, c'est pas con. D'accord. Parce que du coup, j'ai plein de choses à construire, moi, maintenant, alors. Par exemple... Le stockage, ça pourrait être intéressant pour rajouter des trucs au... Alors, l'aluminium. L'aluminium, j'en ai à foison, maintenant. De l'éolien. Fais péter. Parce que je suis sûr que si je rajoute avec de la résine, que je n'ai pas sur moi... Voilà. Il va falloir deux de plus de la résine. Hop. Vais-je avoir de la résine supplémentaire quelque part? Titane, résine, parfait. Crac, si je rajoute un... Ah bah non, je suis con, je suis pas censé en rajouter ici. Je prends juste l'éolien. Et ça ne marche pas. Je pensais que l'éolien marcherait comme ça. Ah non, d'accord, il marche pendant les... Pendant les tempêtes, je présume. D'accord. D'accord, d'accord. Bah remarque, s'il y a des tempêtes nocturnes, ça me permettrait d'avoir quand même de l'énergie, même de nuit dans les caves. Donc j'ai pas vraiment de raison de me plaindre. Ok, ça c'est du cuivre, pourquoi pas. Donc ça, ça ne veut pas fondre, je comprends pourquoi. Hop. Et enfin, celui-ci. Ok. Ok, jusque là on n'est pas trop mauvais. Maintenant, on n'a plus d'énergie nulle part. Faut penser à ça aussi. Donc faudra attendre le jour pour réussir à en faire quelque chose. Ici, crac, carburant. S'il y a du carburant partout, je vais pas m'en plaindre. Ok. Donc on a rover, on a camion, on a navette. D'accord, on a navette. Navette, ça doit parler sur d'autres planètes, j'imagine. Ok. Donc j'imagine qu'il me reste des choses encore à découvrir, hein, parce que le jeu ne peut pas être terminé ici. Même si je me doute que si c'est marqué pré-alpha, il va pas y avoir énormément de contenu. Je vais attendre que le jour se lève un petit peu. Ou alors je vais aller rechercher un petit peu de... Oh tiens. C'est pas con. C'est de l'énergie, ça. Organique. Non, c'est de l'organique, c'est de l'organique. Bon, le soleil se lève. Le soleil se lève, c'est bon. Soyons fous. En train de recharger partout. Vas-y. Ah, il a eu un problème parce que j'étais déjà full. Ok. Ou parce que le titane se fond pas. Parce que le titane ça fond pas. D'accord. Le stockage est full, c'est ça que t'es en train de me dire, non? Non, presque full. Ok. Crac. Vas-y, fais péter. Et là-dedans, j'ai plus de charbon. Ok. Merci. Hop. Fais péter. Danger de l'hydrazine, c'est du carburant. Ok. Et dans celle-là,
plus de charbon encore. Ok, bah niveau énergie, on n'est pas trop mauvais, hein, si je puis dire. Cependant, qu'est-ce qu'il nous reste? Faudrait peut-être qu'on fasse une navette. La navette, c'est quoi? C'est que du composite. Ah. Alors ça m'intéresse pas, parce que du coup, niveau composite, moi je suis un peu à sec, hein. Faut être honnête, j'ai beaucoup de résine sur moi, mais du composite, je suis un peu... Je suis un peu rec. Vrec, non? Donc on dit, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Résine. Résine. On va acheter du composite. Du composite. Du composite. Qu'est-ce que c'est? Oxygène. Intéressant. Inutile, mais intéressant. Pourquoi pas? C'est Je sais pas ce que c'est. Je sais plus. Je sais plus, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Ok, allons voir. Pas l'air d'y avoir énormément de choses. Par un trou. Ok. Là, apparemment, je gaspille l'énergie. Donc, j'imagine que je suis plus raccordé comme il faut. Ou qu'il y a quelque chose qui va pas. Ok, c'est bon. Et là, c'est de. Ah, c'est pas, c'est de l'hydrazine. C'est pas ce que je cherchais. Moi, c'est du composite qui m'intéresserait. Je me rappelle plus à quoi ça ressemble du tout. Hop. Putain, je crois qu'il y en a là-bas. Et j'ai plus du tout de... D'accord. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? J'ai pas le temps de voir. C'est de la résine. C'est pas ça. Bon. Je suis pas dans la bonne direction. Clairement. Hop. Ok. Ça c'est de l'énergie. Ça c'est quoi? De la malachite. Ce qui veut dire que niveau composite, j'ai toujours rien. Ce qui m'embête un petit peu. Par
Alors là, j'ai tout pompé jusqu'à la moelle, apparemment. Ok. Donc on va remonter, c'est pas grave. En espérant que ça remonte bien ici. Ça remonte bien. Ok. Alors. Il y avait un endroit normalement où j'étais pas. Où j'avais pas tout fini de prendre. Mais je crois qu'ensuite j'étais revenu et j'avais tout fini. Composite, j'ai rien dit. Trois. Je crois qu'il m'en faut quatre au total. Hein. Quatre. Ah non, 3. J'aurais juré être à 4. Ah, je vais devoir en laisser un sur place. Hop, on y va. Hop. Crac. Rototo au passage. Navette spatiale, sans doute. Ok, construction. Ooh, you touch my tralala. Oh, my ding ding dong. Le problème, c'est que je sais pas trop comment je suis censé revenir derrière moi. Et j'ai pas énormément de place. Ok, bon. Ça, on dirait des machins à hydrazine. On dirait des machins à carburant. Alors déjà, ça m'a débranché l'autre truc. Ça, ça me fait chier. De base, hein. Et de 1. Ah, ça me les consomme. Et de 2. Et de 3. D'accord. Je peux créer du carburant à partir de l'électricité, ça c'est cool. C'est franchement très très cool. Ok. Du coup, il va me falloir du stockage. Pour ça il me faut plus de composites, génial. Je crois que j'en ai tout juste 2 sur moi. C'est quoi? Non, c'est de la résine, merde. Composite. Je vais en chercher en supplément, comme ça j'en aurai. En fait, je vais foutre un stockage sur la navette pour pouvoir emmener plus de carburant et de peut-être potentiellement ramener plus de choses aussi, je pense. Et donc oui, au passage, je prends énormément de carburant, de composite. Voilà, parfait. Ok, niveau électricité, ça va remonter très très vite. Dès que je vais te recharger, regardez. Raccordé. Je fais pas mine d'être rechargé, moi, monsieur. Crac. Ce qui va me permettre aussi de maximiser un petit peu tout mon carburant. Ça, ça va être cool aussi. Ce qui veut dire que je vais aussi virer peut-être un petit peu de choses ici pour les remettre là. Parce que je pense que je peux en faire plus qu'une. On va voir, hein. Peut-être que je me trompe. Hein. Ah, je me trompe. D'accord. Je pensais pouvoir en faire plus qu'une seule. Ok. Ça, je l'emmène sur la navette. Il commence à y avoir une tempête, c'est cool. T'en voir. Attends, il avait un truc de placer lui de base. Ah merde, je suis pris dans la tempête.
Non, ça va? Ah, là le vent arrive. Ok, c'est bien ce qu'il me semblait. Bon. Ce jeu est quand même vraiment cool. On a combien de minutes d'épisode? 20 minutes. Ok, cool. Cool, cool, cool. Faut que je mette juste un premier truc d'abord. Un premier nom au premier épisode que j'ai tourné, sinon je vais l'oublier dans la journée. J'en ai 4 à tourner dans la journée, c'est mon deuxième. Ok. AS. Remorquage. S. Vers l'infini. Vers l'infini. Avec un I, Marcus. Et le prochain sera sans doute et au-delà. Trois petits points. Voilà. Vers l'infini, trois petits points et au-delà. Crac. Ok. Et pas l'au-delà, hein. Et toujours du... Pam pam. Ah non, il n'y avait plus rien en fait. Cool. Ok. Alors j'enlève ça, pourquoi vous allez me dire? Bah parce que j'ai l'impression qu'en fait il voudrait que je mette autre chose. Que je mette autre chose, pardon. J'ai eu l'impression qu'il voulait que je mette autre chose au-dessus. Stockage. Oh la vache. Il me faut deux composites. Pour espérer mettre autre chose. Pour espérer mettre une place. J'y vais. C'est vrai que ça semble carrément une navette là maintenant. Et... Ah oui d'accord, je peux pas la déconstruire maintenant. Elle va rester comme ça toute sa vie. What? Oh, j'ai l'impression que je l'avais fait voler. Je prends ça, imaginons. Il a accepté de me la placer derrière, donc ça c'est cool. Est-ce qu'elle va survivre pour autant? Je ne sais pas. Attendez, parce qu'il m'a remis des trucs dessus. Une place supplémentaire, il va mettre un stockage. On va peut-être dû mettre un stockage d'abord. On verra. On verra si ça tient. Il fait nuit, cependant on va quand même aller se faire un petit peu de carburant. Car c'est mieux comme ça. C'est la fonderie. Carburant. Je sais que j'ai plusieurs places pour mettre du carburant autour, donc je vais en profiter à fond. Hein. Vous voyez, j'ai 3 places autour. Donc j'en profite. Après on verra niveau énergie électrique parce que j'imagine que ça consomme aussi l'électricité ou un truc comme ça. Donc on verra bien ce qu'on va pouvoir rajouter dessus. Et je pense que du coup là on aura fait vers l'infini pour la fin de l'épisode. Et au delà quand on partira véritablement. Si je puis dire. Hop. Ça m'embête de laisser tout ça sur la planète par contre. Du coup oui ça m'embête. Ah non il y avait que 2 places. Il y avait que 2 places. Ok. Oh, je suis vexé. Bah du coup, non, je vais l'emporter. Je vais le mettre sur... Crac. En terme électrique, je vais peut-être mettre aussi... Merde. Marcus, t'es débile. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Crac. En tout cas, là, apparemment, ça veut bien. J'ai un petit peu de composite sur moi. Je vais l'emporter aussi. Je sais pas du tout ce qui va se passer par contre. Hein. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Cuivre. Je l'emporte sur moi. Aluminium, j'en emporte sur moi aussi. C'est du cuivre supplémentaire. Est-ce que j'ai pas une barre d'aluminium en plus? Le charbon, je l'emporte. Et forcément dans la résine, c'est commun. Ok. Ok, ok. Eh ben chers amis, nous on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens et yop !